On n'est pas là pour faire de la figuration. Donc les jeunes, là, ils ont intérêt à se tenir. Comme ils sont fougueux, là, ils vont aller très vite. Maintenant, après, il faut savoir prendre son temps. Qui ménage sa monture, pas loin. On est très très heureux de pouvoir recourir ensemble. Donc depuis 2014, on n'est pas monté ensemble dans une spéciale. Donc on va voir aujourd'hui sur cette course qu'est-ce que ça va donner. Et s'il n'est pas trop rouillé, on va dire. C'est reparti pour un tour, comme on va dire.
Chenez Gary et Comas Romain avec la tente de c'était un superbe rallye, c'était un pur bonheur de retrouver mon copilote Romain. Le circuit était vraiment magnifique, il était sécurisé. Je tire mon chapeau à l'organisateur parce que c'était vraiment une magnifique piste, 100% de réussite. Et donc un week-end splendide pour nous, en plus de cette piste qui était magnifique, cette victoire. Et en plus de ça, les retrouvailles avec mon copilote. Franchement, sincèrement, c'était parfait. Des spéciales techniques à souhait, super intéressantes. J'ai pris un plaisir de pilotage que j'ai rarement pris, pour pas dire jamais. En plus, ce résultat est au bout. Bon, Gary, je peux pas l'attraper, on le sait tous, hein, j'ai pas cette prétention-là. Mais franchement, c'était juste parfait. Donc rien que pour ça, je leur dis bravo et j'ai hâte d'aller faire la prochaine course avec eux parce que entre Dabou et là, à Boisseau, Franchement, je remercie Dany de m'avoir appelé, de m'avoir dit « Viens prendre le buggy qui est là et dépêche-toi ». Voilà, parce qu'il avait bien raison ce jour-là. J'ai passé un super moment et c'était top. Voilà.